Professeur Didier Raoult, professeur Jean-Marc Rollin, on entend beaucoup parler, notamment dans la presse, des bactériophages qui pourraient être une alternative aux antibiotiques traditionnels pour lutter contre les maladies infectieuses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bactériophage? Alors un bactériophage, en réalité, c'est un virus de bactéries, c'est-à-dire que c'est un virus qui est capable d'infecter une bactérie. Et il y a deux processus par lesquels ensuite le bactériophage peut agir sur les bactéries. Un processus lytique, c'est-à-dire qu'il tue la bactérie pour se reproduire, ou bien un processus qu'on appelle tempéré, c'est-à-dire que le virus est capable de s'intégrer dans le génome de la bactérie, d'y rester, et à la faveur de la reproduction de la bactérie, eh bien, il peut éventuellement lui-même faire agir un certain nombre de ces enzymes qui sont dans son bactériophage, comme par exemple les toxines, et alors il est devenu stabilisé dans la bactérie, que c'est un virus. Par exemple, des maladies très banales, vous voyez, très connues comme le tétanos, comme la diphtérie sont des bactéries, ou la scarlatine sont des bactéries qui sont des infections qui sont dues à la présence d'un bactériophage qui fait une toxine dans la bactérie. La bactérie, sans le bactériophage, ne donne pas cette maladie. Donc la scarlatine, le tétanos, la diphtérie, tout ça Le choléra. sont des maladies dues au bactériophage. Est-ce qu'il existe chez les bactéries des mécanismes de résistance face au phage? Alors, le monde du vivant, c'est le monde de la guerre. Donc, l'idée que c'est la paix est une idée qui est facétieuse. C'est pas vrai. Le monde de la vie est le monde de la guerre. Et donc, chaque jour, ne serait-ce que dans notre intestin, il y a des milliards de bactéries qui sont tuées par les bactériophages. Dans la mer, il doit y avoir 10 à 20% de la population microbienne tous les jours qui est tuée par les bactériophages. Et donc, la guerre est l'état de nature entre les êtres vivants. Et donc, les bactériophages passent leur temps à ravager les populations microbiennes jusqu'au moment où il n'y a plus suffisamment à manger pour que les bactériophages se multiplient. Donc, bien entendu, depuis les milliards d'années que tout le monde se bat avec tout le monde a des armes pour tout. Et donc, les bactéries ont développé des armes contre les bactériophages. Celle que moi je connais le mieux, sur lequel je travaille, c'est le cannibalisme, c'est-à-dire qu'on prend un morceau du bactériophage pour pouvoir le reconnaître, et on a un système qui est devenu maintenant très populaire, qui s'appelle les CRISPR ou ciseaux génétiques, qui permettent, quand on reconnaît ce bactériophage, de le couper, de le tuer. Ça, c'est la défense par cannibalisme. Mais bien entendu, on est dans la course aux armements depuis le temps, et donc les bactériophages ont inventé des anti-CRISPR qui empêchent les CRISPR de marcher, et les bactéries ont inventé des anti-anti-CRISPR. Donc c'est une course permanente, et donc il n'y a pas de bombes simples qui vont permettre de rentrer et d'avoir une efficacité permanente, parce que les microbes passent leur temps à inventer des systèmes de défense ou des systèmes de croissance. Vous voyez, quand il y a une certaine nourriture qui apparaît à un certain endroit, y compris fournie par l'homme, eh bien les microbes, certains microbes qui sont capables de les digérer, vont s'en servir comme nourriture, alors qu'on les utilisait pour toute autre chose. Et puis il y a d'autres manières de résister au bactériophage, en particulier en Oui, changeant la paroi, ce qu'a montré Jean-Marc. il y a des systèmes en fait autres que ceux-là qui sont des systèmes de camouflage, c'est-à-dire qui permettent à une bactérie de se camoufler et d'éviter qu'elle soit reconnue par les virus, par les bactériophages. Et les bactériophages en particulier, pour pouvoir rentrer dans une bactérie, doivent reconnaître un site spécifique, qui est soit un sucre, soit une protéine externe. Et donc, par exemple, un des mécanismes de résistance possible du bactériophage, c'est de se camoufler en synthétisant une capsule autour de sa membrane. Et donc, cette capsule empêche le virus de pouvoir reconnaître sa cible. Et donc, la bactérie résiste par ce biais-là. Et donc, c'est un phénomène qui aussi a été décrit très nombreuses fois comme système de résistance des bactéries aux bactériophages. Et puis il y a un autre système qui est un peu le même système qu'il y a dans la résistance aux antibiotiques, cette fois, qui est les bactériophages, pour rentrer, ont une cible. Si vous changez quelque chose sur cette cible, parfois une seule mutation permet de changer la cible, et le bactériophage ne peut plus rentrer. C'est les premières résistances qui ont été décrites aux phages, parce que l'utilisation des bactériophages comme traitement des maladies bactériennes, ça date d'avant la Deuxième Guerre mondiale quand même, hein. Donc c'est un phénomène extrêmement ancien.
Ça a continué à être développé en Géorgie pendant toute la période communiste, où c'était les dernières usines à bactériophages. Le problème, c'est que la résistance aux bactériophages apparaissait extraordinairement rapidement. Alors, on peut toujours maintenant surenchérir sur les phénomènes de résistance, mais globalement, la résistance aux bactériophages est un phénomène qui est apparu beaucoup plus précocement que la résistance aux antibiotiques quand ils ont commencé à être utilisés à une certaine dimension. Pouvez-vous nous détailler les usages qui étaient faits des bactériophages? Dans quelles conditions étaient-ils utilisés? Vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale ou... Ils ont été utilisés pour les septicémies, ils ont été utilisés pour les maladies sévères, hein, comme... Et puis la pénicilline est arrivée, et puis on n'a plus utilisé les bactériophages, on n'a plus pensé à utiliser les bactériophages. Donc ça fait partie, les bactériophages, ça fait partie de l'arsenal naturel du conflit des êtres vivants entre eux. Donc bien sûr, on peut toujours penser utiliser les armes qui ont été mises en place pour, entre les microbes pour qu'ils se battent entre eux, pour en faire un objet thérapeutique. C'est possible. Pour l'instant, les phénomènes qui ont été montrés ont échoué de ce fait-là. Demain, peut-être, il ne faut pas insulter l'avenir, on trouvera des outils qui auront une plus grande stabilité, qui déclencheront moins de résistance, qui ne seront pas toxiques, c'est bien possible. C'est une alternative comme une autre. Hein. Donc, ça fait partie des armes naturelles, et donc c'est assez tentant de dire, écoutez, si ça marche dans la nature, on doit pouvoir adapter ça, en faire quelque chose qui marche dans la thérapeutique humaine. La phagothérapie est aussi beaucoup étudiée pour essayer d'éliminer les infections chroniques à Pseudomonas aeruginosa dans le cadre de la mycoviscidose. Il y a des travaux sur ça. Le problème, c'est que chaque type de bactérie a une spécificité pour tel type de bactériophage. Et donc, pour que ça puisse marcher dans une population de différentes bactéries, il faut utiliser des cocktails de bactériophages, et ça devient extraordinairement compliqué de faire des mélanges qui puissent effectivement marcher, puisqu'il y a des résistances qui apparaissent à l'un ou à l'autre des bactériophages, et donc il n'y a jamais 100% d'efficacité. Et donc, pour synthétiser, sur le long terme, quels sont pour vous les enjeux qui font que cette alternative pourra se concrétiser? Alors là, nous on prédit jamais ici, donc c'est pas notre nature. Il y a, encore une fois, l'observation qui permet de regarder comment les bactéries sont tuées dans la nature. Elles sont tuées dans la nature par des toxines, elles sont tuées dans la nature par des antibiotiques, elles sont tuées dans la nature par des bactériophages. Et donc, l'homme et la capacité scientifique de l'homme a surtout résidé dans sa capacité à imiter la nature et à transformer en quelque chose qui est utilisable et transformable en un produit industriel. Donc c'est possible que ça arrive, c'est possible que entre le début d'une idée et sa réalisation, il peut se passer beaucoup de temps, voire on peut être incapable de transformer ça en un produit biologiquement utilisable et efficace. Donc c'est pas prévisible, c'est une hypothèse. Oui, d'autant plus que ce soit les bactériophages d'un côté ou les bactéries de l'autre, elles évoluent les unes et les autres pour résister à l'un ou à l'autre, et donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer, y compris dans le développement éventuellement de futurs médicaments, parce que ça évolue, c'est des entités biologiques vivantes, donc c'est pas prévisible. Merci beaucoup.